Ouais, salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pêche à l'aimant encore une fois. Donc là on a un magnéto qui se dirige vers une petite plage pour pêcher, qu'il va faire son premier lancer après au Terra. On a des pollutions planète juste ici. Mathieu. Salut à tous. Oh, voilà, donc nous là on a le 800 Mathieu, le Théo comme ils sont bistes juste là dans l'herbe. Puis voilà, ouais, d'évolution planète qui a déjà quelques petites ferrailles, voilà. Bon, ça c'est sa canette, hein, pour l'acheter par terre. Puis là, une chaîne et puis des petites vis. Donc voilà. Allez, on fait les premiers lancers, on vous reprend après. À tout à l'heure. Allez, je vous reprends là. Il y a Mathieu qui nous a fait une petite tige à béton. On va faire à béton, voilà. Juste là. Ah oui, vous pouvez voir là, il y a de la pâle planche. Donc c'est pas facile quand on lance, bah, l'aimant il se colle à la remontée, quoi. Mais bon, on tire et puis on arrive à l'avoir, donc c'est le principal. Allez, les lancers se continuent. Et on va reprendre après. Allez, on se dirige du côté de Magneto. Juste en bas là-bas. On va descendre, on va aller voir. Alors, c'est quoi ta prise? T'as un truc? Je sais pas. Un caillou? Oh non. Non. Je sais pas, il y a un trou là. Ouais, bah un morceau de métal. Un truc quelconque, quoi. Allez, on fout ça là-dedans. Dans le seau. Et on va reprendre. Allez, Mathieu qui nous a refait quelques petites trouvailles là par terre. À part la tige, on a un petit ressort, une barre, et puis là, un petit rivet de pont. Donc voilà. Allez, on continue. Allez, qu'est-ce que tu nous fais là, des pollutions planète, là, des petites trouvailles? Alors, dans son petit sac là, des petites tiges, voilà, des. Bon, des petites babioles, quoi, là. Puis là, le bist est dans l'eau. On va bien voir cette remontée là-haut, s'il y a quelque chose ou pas. Oh non, j'ai des croches au bord. Ah. Non. Eh bah voilà, il a perdu sa prise. Allez, on va voir s'il la rattrape. Tu as entendu ça? Il a pas eu. Oh, des petits clous. Et... pas grand chose. Bon, bah ici pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué, comme je vous ai dit, avec l'atoll là, et puis bah. Tout ce qui bloque au bord, les cailloux, tout ça. Donc, on continue, on va reprendre après. Ça y est, l'évolution planète, il nous a sorti son objet. Et c'était un petit panneau triangulaire. Donc voilà, tout petit comme ça. Bon, il l'a planté dans la terre, hein, bien sûr. C'était pas comme ça. Oh, voilà, allez, on continue. Oh, dommage, on a loupé. Magneto et Mathieu étaient collés ensemble. Bon, bah c'est tout, vous l'aurez pas vu. Ah bah, il a collé sa botte. Des petits clous? Je sais pas. Un os préhistorique. Ouais. On va allez. Voir. Bon, bah aujourd'hui on n'arrête plus là. Ouais. Quand c'est pas Magneto qui se colle à sa botte, c'est Mathieu qui se colle à l'arbre. Bon, voilà, ça y est. Ouais. Il n'y a rien au bout de l'aimant. Non. Plouf là-bas. Plouf ici. Ça tire là. Et on va reprendre après. Alors, ça tire par ici? C'est quoi? Ah, alors. C'est un vieux marteau. Ah ouais, ouais. Ouais, encore un petit bout du manche en dessous, ouais. Il y a un manche. Il y a encore le manche avec. Une masse, ouais, c'est carré. Oh putain, oh putain. Ah, pour le décoller maintenant? Ah non, pas comme ça. Ah, c'est comme avec ça. Le pied. Ah bah même faute. Hein. Voilà. Ouais, bah un vieux marteau. Ouais. C'est cool, ça fait plaisir. Oh bah oui. Théo! Vieux marteau, tu gardes? Il est en train de faire sa vidéo juste là-bas. Allez. On va reprendre. Ah, des pollutions planète qui nous a fait une belle trouvaille. Bah, je regardais sur mon aimant, j'ai cru que c'était un bout de bas. Et en fait, non. C'est une douille en fer, une douille. Ouais. De je sais pas quel calibre, mais c'est du beau pépère. Hein. J'ai pas des petites mains, mais voilà. Hein. Voilà. On voit un peu une belle petite douille. Bon, allez. T'es content? Ouais, bah. Fait plaisir. Essayer de la nettoyer. Hein. Voilà, plus la tête, donc ça devrait plus être dangereux. Oh non, là, ça craint rien. Bon allez, on continue. Hey, j'ai pêché une pipe. Attendez. Là, celle-là. On allait couper maintenant, on repart du côté de Magneto. C'est une pipe, mais... allez. C'est pas une pipe, mais ça ressemble bien à une pipe, quoi. Voilà. Ouais. Bon, c'est pas une pipe, hein, parce que sinon tu fumerais à l'envers, mais... oh merde, elle s'est cassée, putain, je suis dégoûté. Oh là, il y a une belle trouvaille en plus. Juste là. Voilà. Bon bah voilà. C'est quoi ça? Non. C'est, tu sais les trucs qu'on avait trouvé l'autre fois? C'est un bout.
Tu vois le truc pour verser? Ah oui, d'une théière. Exactement, c'est un bec de théière. Ouais. Ça marche. Allez, on continue. On reprend. Ça va? Ça va. On avait un petit truc qui dépassait de l'eau. Enfin, un petit truc, c'est lourd, quoi. Du coup, bah, Mathieu, il a mis son 800. Et c'est... On voit un plan en béton, et très lourd. C'est surtout pour pas frustrer Magneto pour qu'il tâche quelque chose. Voilà, Magneto, il veut mettre son aimant dessus. Ah, vous l'avez. Ah oui, on va essayer de sortir ça de là. On a Théo qui a la corde en travers là-bas. Je sais pas comment je vais faire pour... Il est parti sur le pont. Pour t'aider, là, parce que... Vu que c'est de la poêle blanche, je sais pas trop. Tu peux pas le faire descendre. Théo, on sait pas ce qu'il fait, sa corde à bouche, quoi. Vas-y. Allez, la poêle blanche. Ouais, ça remonte. Voilà. Et voilà. Bon, bah, je sais pas ce que c'est ni ce que ça peut servir, mais. Ouais, c'est plat en fer avec une barre. Puis bah, c'est un plan en béton, quoi. C'est pour faire. C'est le socle, hein. Pour faire le poids, tout ça. Donc voilà. Ah putain. Ouais, c'est ça, c'est du béton, là. Ouais. Ouais, bah écoute. Hop, mets ça là. Sur le côté. On va chier pour amener ça gêne. Dans la remorque à dépôt sur planète. Oh, et lui là-bas, il a sa corde. Ah mais il a débloqué. Oh, oui depuis longtemps, c'est juste qu'il se balade. Hein parce qu'il était bloqué mais. Allez on va reprendre. Je vous avais pas montré tout à l'heure, il y a des pollutions planète qui avait fait ce petit truc là avec ce rond là qui était dessus. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Oh là là. Oh lui qui est mouillé. Comme ça, de l'autre côté. Si quelqu'un sait, dites-le nous, mais parce que là, on a aucune idée. Ah, Magneto qui ramasse. Putain. Ouais, contrairement à certains, moi, je ne laisse rien. C'est rail ou pas. Allez, ouais. Pour ah, des pollutions planète, là, il nous a fait une belle brochette, là, en remontant avec le beast. Oh, yeah. Il y en a là-dessus. Regarde, le yoga, une grande pointu, tige. Ça va? Ouais. Un petit piqué, après, ça te donne toujours plein de clous, hein, des petites plaques. La ferraille diverse en vrac, quoi. Ouais. Mais le piqué là il est marrant, la pointu comme ça, tu vois, c'est marrant ça. C'est piqué, ouais, c'est pour le planter, ouais, ouais, le chantier. Ouais, c'est sympa, c'est des belles trouvailles. Plouf. On va repartir loin, mon copain. Oh, Magneto, il a du lourd. Il l'a acheté juste devant, en plus, il a un peu loupé son lancer. On a des pollutions planète qui tirent. Oh là là, ça vient en plus. Oh, sinon, Magneto, on va aller voir ça, on va laisser Théo galérer un petit peu. Ah. Ouais, bah une grosse cornière. Ouais, un petit peu de ferraille en vrac. Bah, ferraille en vrac, quoi. T'es où, t'es bloqué, des pollutions planète qui tirent. T'es sérieux? Ah oui. Ça vient. Attends, attends, j'arrive. Oh, tu vas te bloquer dans le. Bloqué sur. Voilà. Non, c'est bon. Oh non. Oh là là là. Oh, qu'est-ce qui nous remonte? Une porte carrément. Oh, c'est pas la deuxième de la journée. Oh là là, ah, moi, c'est une porte. Oh, c'est bien grand. Ouais. Ou une trappe. Ouais, une porte ou une trappe. T'as vu, regarde. Une petite charnière, tout ça. Mais c'est, ça a pas l'air blindé, donc c'est une petite porte normale. Ah, sur là, il y a encore le loquet pour fermer. C'est ça, non? Ouais. Ou, ouais. Lui, t'en aimant que je. Il est là. Ah, ça vient pas d'un bunker, ça. Hein. Oh, ouais, c'est juste une petite porte comme ça, quoi. Mais bon, c'est déjà bien grand et puis. Ah, bon, faut voilà quoi, c'est déjà sorti. Mathieu, il est venu nous aider avec le 800, on l'a senti. Ouais. Bon, bon, bon allez. Finalement, c'est une bonne pêche, je suis content. Allez, on continue. Allez, le joueur prend parce qu'on a des pollutions planète. Encore une fois, il arrête plus là, ça y est. Il tire, on va voir s'il arrive à remonter sa prise ou pas. Allez, qu'est-ce qu'il a? Oh bah, c'est encore le même, on dirait. Ah bah ouais. Un deuxième. Encore comme on a remonté un petit peu tout à l'heure avec le béton pareil. Ça vient d'être fait où ça va aller? Et voilà le deuxième. Bon, allez on continue. Bon, décidément on s'arrête plus, on a du lourd ici. Hein. Et un Magneto, oh là là. Oh. Bon bah voilà. Ce sera pas pour tout de suite. Ah mais bon on va pas. Ah bah, pollution planète qui l'a attrapé de l'autre côté. On dirait. Mais sinon, il y a quand même des petits trucs hein, dessus. Là, on voit. Alors, ça. Oula, ça ressort de l'eau. Sacré morceau de poutre
Bon, je sais pas. Non, là, petit ressort. Oula. Voilà, des petites ferrailles. Allez, on va voir Magnéto à la rescousse de Théo. Pour sortir, on va faire la sortie du morceau en direct si on y arrive. Ah, si, ils y arrivent. Et Mathieu, un petit morceau dans le seau qui se remplit au fur et à mesure. J'en ai collé une deuxième en temps pour t'aider. Allez, non. Oh non, j'ai fait un panneau. Voilà. C'est pour ça. Il a attrapé un truc, mais pas ce qu'il voulait. Les gars, c'est quoi ce spot là? C'est un truc de fou, comment c'est pollué. C'est un panneau. Voilà, un petit panneau. Bon, on le sort rien. Ouais, il arrive, il arrive. Ouais, c'est bon. Magnéto l'a attrapé, c'est parti. Allez, c'est sorti. Ouais, il est bien grand, il fait sa taille, et puis bah, il doit être bien lourd. Mais... T'es où, Magnéto? Ouais. Voilà. Content? Ah, c'est une tâche avec du très très lourd, là, ça fait longtemps, mais franchement, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. C'est voilà. C'est un peu tordu au bout. Sinon là, si on voyait bien la longueur à côté de Magnéto, ça se voit bien. On fait de la vraie pêche à l'aimant, tu vois. Allez, on continue. Attends, allez, Oli. Mathieu vient de nous faire... Aïe, un coup de boule du chien. Il y a Mathieu qui vient de nous faire une petite trouvaille sympa. Oui, Oli, oui, tiens, va chercher. Hop, tiens, allez. Hop. Il y a Mathieu qui vient de nous faire une trouvaille sympa, un petit marteau. Bon, il n'y a plus que la tête, mais c'est sympa. Donc, vous voyez, là, il y a tout ça. Puis encore, on va encore pêcher un petit peu, on va pas arrêter là. Il y en a encore pas mal, on pense. Hein. Vas-y, vous avez la trappe là-bas, tout ça. On va commencer à tout charger dans la remorque. Vous voyez, ça commence là à charger. Donc, voilà, allez. On charge, on continue à pêcher et on vous reprend. À tout à l'heure. Allez, je vous reprends. Regardez, il y a des pollutions planètes. Il va nous faire un vieux aimant. Allez, celui-là, il date. Hein. Mais bon, ça fait plaisir, c'est un aimant. Voilà. Il y a une vieille corde encore avec, mais on... Les gars ici, à l'époque, je sais pas ce qu'ils espéraient pêcher avec ça, mais... Enfin bon, après, ce qu'on a maintenant, nous, ça n'existait pas encore. Mais... Je vais le poser là. Voilà, vous voyez, ils avaient encore la corde, tout. Voilà. Ça fait plaisir, un vieux aimant de remonter. C'est toujours ça de prix. Il aimante encore? Ouais, il aimante encore. Il aimante encore. Ah ouais. Avec le Beast Power. Ouais, une morceau de ferraille. Ouais, c'est l'inconvénient de pêcher là après. Ouais, morceau de ferraille quelconque. Ok. Allez, on continue, on va reprendre. Regardez, vous avez des pollutions planètes. Là, on était bloqué. Alors, du coup, il est monté sur le pont pour débloquer les mains. À débloquer les aimants, c'est mieux quand il y a un pont. Quand il n'y a pas de pont, c'est très chiant. Et on devrait expliquer parce qu'il y en a beaucoup qui restent bloqués et qui ne savent pas comment faire. Voilà. Et l'aimant, il est là. Il va nous le remonter. Et là, on va voir s'il y a quelque chose avec. T'approches pas trop de la pâle planche, Théo. Ah bah oui, il a chopé une barre. Vas-y, ramène-le. Lève-le. C'est bon, je l'ai. Merci, Théo. Voilà. Bon bah c'est quoi? C'est une barre. Il n'y a rien d'extraordinaire avec, je pense. Attention aux orties. Ok. Oh, tiens, il est collé sur ma botte, l'aimant. Vas-y, jette les cordes, jette. Hop. Voilà. Allez, on continue, on va reprendre. Allez les gars, on va se faire quelques lancers comme ça. Quelques lancers, on va bien voir. Là, tu n'étais pas loin de le coller. De le coller? Ouais. Avec les mains? Ouais. Ah. Ça va, t'es marrant. Ah. Bon. Si ton malou avec le téléphone, ça... Ah, ça, c'est moins marrant, par contre. Alors,
Ah, y a pas grand chose. Hein. Ah, bon. Avec tout le lourd qu'on vient de sortir juste avant, dans la tête, c'est mieux peut-être. C'est rassurant. Ouais. Bon, on va faire comme d'habitude, on met ça du petit, on met ça du gros après. Ouais. Allez, go. Ouais. Un petit. Allez, vu que t'as pas mis ta GoPro, j'aurais dit. Ah non, j'ai oublié de prendre la caméra. Bah, elle est dans la voiture, mais j'ai la peine d'aller la chercher. Je croyais bien, c'est celle là-bas. Oh merde. Bon. C'est débloqué et je reprends. Bon, bah comme vous venez de le voir, je croyais que j'étais bloqué, mais en fait non. J'étais sur ce mastoc de bout de béton là. Et avec la pale planche, j'arrivais pas à le remonter. Donc du coup, bah, je suis monté sur le pont. Et tout seul, j'ai eu du mal. Donc Théo, il est venu m'aider. Et puis bah, du haut du pont, il l'a ramené ici. Donc ouais, c'est mastoc de béton là. Tout ça, c'est du béton avec du fer dedans. Voilà. Ça n'a rien à faire là. C'est bien lourd, bien dégueulasse. Voilà, dans le seau là. On va continuer encore un petit peu. Là, on n'est plus que deux. Théo, Mathieu, le magnéticien sont partis. Et on commence à être un peu HS, hein. ça commence à être lourd les trouvailles, il va falloir qu'on charge ça encore, on a encore ça à charger là, donc voilà, allez on continue encore un peu et on va reprendre. Voilà, ça c'est de la dépollution, de la vraie ça, vous voyez, parce que nous, quand on dépollue, c'est jusqu'au bout, il n'y a pas que la ferraille qui nous intéresse, quand on vient sur un spot et qu'il est dégueulasse, on le nettoie. On vous reprend. Voilà. Il reste le bist. Vous voyez. Voilà. Le spot, il est nettoyé. La bouteille d'eau, là, c'est à Théo. C'est propre ici. Théo est en train de charger la remorque. Enfin, on l'a chargé déjà. Toute la ferraille d'aujourd'hui est dedans, vous voyez là il y a la grosse cornière que vous avez vu en début de vidéo qui est juste ici. Voilà. Donc tout est chargé. Et voilà, donc ça maintenant ça va pouvoir fermer le clapet à certains qui commencent à nous gonfler sérieusement là. Et en plus ça juste pour vous signaler, ça c'était une très vieille porte ça. Elle était abandonnée en pleine forêt. Et des pollutions planète avant de venir à la pêche, il s'est donné la peine d'aller en forêt chercher ça. Ça nous a été signalé par l'ami Mathieu hier et ça a été ramassé aujourd'hui. Et ça va finir à la ferraille. Voilà. Allez, sur ce mes amis, c'est une fin de vidéo, fin de pêche à l'aimant pour nous aujourd'hui. Ça a été une bonne pêche avec du lourd, ça faisait longtemps. Pourtant, quand on est arrivé sur le spot, on pensait qu'on ne ferait pas grand chose, mais finalement, on a fait une bonne pêche avec du lourd, ça fait plaisir, c'est une belle dépollution. Voilà, en fait, c'est le but, hein, c'est le but de nos actions. Donc voilà, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on allait avoir dépollué. Et qu'on en a rien à foutre de trouver du militaria ou quoi que ce soit et qu'on n'est pas là pour le chercher de toute façon. Depuis le début de ma chaîne, c'est de la dépollution qu'on vous propose, dans la joie, dans la bonne humeur, avec une belle équipe, hein, comme vous savez, et que, de toute façon vous nous le dites souvent et ça fait vraiment plaisir, c'est sympa. Allez mes amis, nous sur ce, on vous laisse là et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo de pêche à l'aimant. A bientôt les amis, salut.